Là, on approche la fin de la torréfaction. Ce qui me plaît, c'est que je voyage dans ma tête tous les jours. Ce qui me plaît, c'est que j'adore le café. De créer des goûts nouveaux, de travailler sur un produit où on le maîtrise totalement depuis le pays producteur jusqu'à la tasse et de pouvoir intervenir sur tous les aspects du processus. Il faut savoir que le café vert, il n'a aucun goût. Et c'est seulement à l'étape de la torréfaction que va lui donner ses caractéristiques de fruité, de force, de goût forcé, d'acidité, de goût de pain grillé, de caramel. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le Havre est vraiment la place caféière la plus importante d'Europe. C'est vraiment la porte de la Normandie qui s'ouvre sur les pays. Et je crois qu'il y a toujours eu une ouverture sur le monde extérieur. Sa façade maritime, les échanges commerciaux ont fait qu'il y a toujours un intérêt et un attrait pour ce qui vient d'ailleurs. C'est ça que j'aime bien dans la Normandie.